Hello à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un Get Ready With Me spécial printemps. Voilà, donc premièrement je vais appliquer la Skin Glow de Kiko. Ensuite j'applique le Dior Skin Star que j'ai en teinte 30 à l'aide d'un pinceau B-Edge Cosmetics. Et je vais étaler le tout pour avoir un fini assez naturel. Ensuite on s'attaque aux cernes avec l'effaceur yeux que j'ai en teinte 22, je crois que c'est le beige rosé, grâce à un pinceau de chez Zoeva. Ensuite avec la poudre de chez Milani, super légère, je vais venir en fait l'appliquer sur tout le visage. Je viens réchauffer mon teint avec un bronzer de chez Tarte. Voilà, en forme de 3. Un peu de blush, regardez-moi ce magnifique blush de chez Michael Kors, c'est le Flush, qui rehausse de suite le teint. Donc là j'en ai mis un peu trop et je vais venir estomper. Ensuite je vais venir mettre un petit bout de scotch pour m'aider à faire à travailler mes yeux en fait. Et je vais venir premièrement appliquer une base de chez NYX, c'est la Milk. Je viens hydrater mes lèvres avec un baume de chez Clarins que j'adore. Et on commence de suite les yeux. Donc je viens appliquer la couleur Wonderful, c'est la palette Rose Golden de Zoeva, avec un pinceau de la même marque. Et je viens en fait appliquer cette couleur aux deux extrémités de ma paupière mobile. Et ensuite je viens appliquer la couleur Golden Rule au centre, ainsi qu'en coin interne. Voilà, je viens flouter le tout, ainsi que les deux couleurs entre elles. Un petit coup d'eyeliner, celui-ci c'est le Exaggerate Eyeliner de Rimmel, que j'aime vraiment beaucoup aussi, que vous verrez dans mes favoris je pense. Voilà, un petit coup de liner, ainsi qu'un peu de mascara, celui-ci c'est l'Hypnose Drama de Lancôme, que j'ai ressorti, que j'avais oublié d'ailleurs. Hop, je remets la couleur Wonderful en ras de cils, avec un pinceau de chez ELF. Et enfin, je viens brosser mes sourcils avec le Brow This Way, toujours de la marque Rimmel. Un peu de crayon en muqueuse inférieure, et c'est le Smoked Kohl Eyeliner de Maybelline. Enfin, mon rouge à lèvres chouchou du moment, c'est le Rodeo Drive de Gérard Cosmétiques. Donc voilà pour le make-up. On va passer de suite à la tenue. Donc, ce que je porte. Je porte un jean de la marque Elite, qui est un peu Destroy, que j'aime beaucoup, qui va très bien avec ce petit temps printanier. Ensuite j'ai mis un top de chez Azos que vous avez vu dans un haul. Mon blazer rose pâle, et c'est un new look. Mes escarpins nude viennent aussi de chez Azos. Et les accessoires, c'est-à-dire boucles d'oreilles, bagues, viennent aussi du même site. Voilà donc pour cette tenue, j'espère que cette vidéo vous plaira. Bisous de nous et à bientôt, bye!